C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football. Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football. C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois. C'est la beauté de ce sport, du football en particulier. Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit, after sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr comme tous les soirs. Bien sûr, nous sommes là à l'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Avec ce soir, Jérôme Bretagne. Jérôme, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Vos avis les gars, nos avis sur l'équipe de France, on veut tous en parler ce soir hein, avec différents, différentes thématiques. On va conclure. Hein, évidemment, on va conclure. Parler rapidement. Avant de repasser en mode Ligue 1, de demain je pense. Hein, on est de demain. Tiens, et puis on a un invité ce soir, un jeune qui n'en veut, auditeur de l'after. Alexandre Pasquini est là. Alors Pasquini. Alexandre, figurez-vous qui... Pardon Pasquini. Ah, faut pas dire à la Corse. Non. Il est pas corse, il est droit. Italien. Il est italien. Il est italien. Ah. Ouais, moi je préférais Pasquini. Non, je vois encore s'il est sarde. Bon, d'accord. Alors toi, t'es analyse vidéo à Quevilly, donc. C'est alors, ça. Déjà qu'on a découvert qu'il y avait un club de foot, maintenant, on sait qu'il y a des analyses vidéo. C'est la première fois qu'il y a des analyses vidéo partout. Ils ont pu passer, parce que même les clubs de Ligue 2. Moi, je lui ai demandé avant, depuis combien de temps il y était. Il m'a dit 3 mois. Je lui ai dit, bon, ça va, tu tiens pour l'instant. Parce que ça doit pas être facile de regarder les matchs de Quevilly. Bon, ouais, il doit analyser plus... les adversaires aussi. Ah, donc tu vois, de temps en temps, il analyse Lorient. Quevilly qui est monté de National à Ligue 2. De temps en temps, il analyse Landreau. Ah, mais des stats sur Landreau. Mais ils ont fait nul à Lorient. C'est grâce à tes analyses vidéo que vous avez fait nul contre Lorient. Ça, je sais pas. Ça a joué, hein. Ça, je sais pas. Mais en fait, comment est-ce qu'on devient analyse vidéo d'un club de foot? Il y a des formations. Des formations. Après, j'ai eu un parcours un peu différent. J'ai eu la chance de me faire repérer en créant une page Facebook, une chaîne YouTube qui a bien marché. Et puis tu t'es fait repérer parce que tu analysais des vidéos et des stats aussi. Exactement. Analyse vidéo, c'est des plus stats. Pas forcément, mais pas des stats. Et alors, non, c'est forcément. Quoi analyse vidéo? C'est sur les placements des joueurs sur le terrain. Voilà, c'est un regard. Mais il en découle des chiffres foot. Toujours, non? Non. Ça peut. Ouais. Ça peut, mais ça peut aussi pas forcément, quoi. Pas forcément. En l'occurrence, c'est comme avec Bielsa, si tu te barres du bureau avant 20h, tu risques de te faire virer. Il fait un 10h-16h avec le viseur. T'es quoi? T'es là-bas le jour des entraînements? C'est ça, tout le temps là, toute la semaine. D'accord, t'es un membre du staff. Voilà, c'est ça. Par entier. D'accord. Tu vas voir l'entraîneur. C'est qui l'entraîneur? Emmanuel Lacosta. D'accord, t'arrives et tu lui dis voilà ce que j'ai repéré sur l'adversaire. Ou t'analyses aussi ton équipe, les déplacements, tout ça, des joueurs. Adversaire nouveau. Ouais, c'est sympa. Mais de toute façon, c'est essentiel. Tous les clubs ont ça aujourd'hui. Ah bah, beaucoup, les clubs sont même plusieurs. Tous les clubs analysent, tous les clubs regardent de près tous les déplacements. Ils sont tous décryptés. À Saint-Étienne, je sais qu'ils sont 6. Ils sont 6 depuis là. Ils sont 6 ? Oui. 6 depuis l'arrivée de. Depuis l'arrivée de Garcia. Exactement. Donc pour les défenseurs, les milieux. Et à Saint-Etienne, c'est comment il s'appelle? César, mais j'ai oublié son nom de famille. Je vais pas écorcher son nom. Moi aussi, je vais l'écorcher si je le dis. Mais oui. César. Voilà, mais César. Ouais. Voilà. César. Mais oui, il a une équipe. Jardim aussi est très très pointu là-dessus. Bon, il négocie tout le monde. Tu restes avec nous, tu donneras ton avis sur l'équipe de France. Tu as peut-être fait un petit montage vidéo, je sais pas. on verra. On a également du basket, les gars. Ce soir, c'est le début de l'Eurocoupe avec les clubs français. C'est à suivre sur RMC et SFR Sport. Tout à l'heure, Limoges a perdu contre Krasnodar de 2 points. Actuellement, Levallois affronte Darufasaka, un club turc. Arnaud Valadon, bonsoir. Bonsoir. Il reste un quart temps à jouer. Le Valois est juste derrière de 2 points. Il résiste bien les hommes de Freddy Fautou. 57-55. Comment jouent les vedettes? Les vedettes, Boris Diaw. Bah écoute, oui. Il fait du Boris. Il a mis 2 points. Il a fait 4 passes. Alors il a envoyé un mauvais tir. S'il a mis 2 points, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, mais c'est pas son style. Lui, il aime bien faire des passes. Voilà, c'est un peu l'huile que tu mets dans le moteur. Voilà, il est costaud quand même, hein, là. Il est bien, fidèle à lui-même. Il est pratiquement au double quintal, là, non? Ouais, oh, quand même pas, non. Il reste affûté par rapport à l'Eurobasket. Voilà, il a pas trop pris pendant les 3 semaines. J'aime beaucoup l'entraîneur de Levallois que j'ai rencontré il y a pas longtemps, là, Freddy Fautou, qui est super, en plus auditeur de l'After. Un chouette gars et tout, qui essaye d'apporter un vent de fraîcheur dans le coaching du basket en France. Et qui fait du très bon boulot à Levallois. Ouais. Quand t'as la chance de rencontrer des gens, c'est bien. Oui, mais moi je le connais aussi. Mais alors après, l'Eurocoupe, Arnaud, c'est quand même la Coupe d'Europe, la Ligue 2 de la Coupe d'Europe. C'est l'Europa League. Voilà, exactement. L'Europa League, ouais.
Et puis un autre match, l'ASVEL est en Italie à Trente. Comment tu dis en italien? Trente? Trente? Bon. Trente, c'est Trento. Ouais. Ah oui, forcément, je me disais bien qu'il y avait un loup dans ma prononciation. Trento, Villeurbanne, Martin Bourdin. Il reste 42 secondes dans le troisième carton. L'ASVEL qui est en grande difficulté, mené de 12 points désormais, 62-50 pour Trent. Et pour le moment, les joueurs de l'ASVEL qui sont en train de décrocher petit à petit, ils avaient fait rapprocher à 5 points. Mais à chaque fois qu'ils se rapprochent de cette équipe italienne, les Italiens remettent un coup de rein et recréent un petit écart. Et donc pour le moment, à moins de 30 secondes de la fin de ce troisième carton, les Italiens mènent 62-50 face à l'ASVEL. 32-16, hashtag RMC Live, direct studio pour nous joindre, bien sûr. Direct studio sur l'appli RMC Sport qui est gratuite. N'hésitez pas. C'est parti pour l'équipe de France. Premier avis du soir, celui de Jérôme. Jingle Rotten. On y est. C'était hier soir. Oui, alors, tu voulais reparler d'idée des gens parce qu'il y a eu différents débats aujourd'hui concernant cette histoire de prolongation, qui n'est pas officielle d'ailleurs pour l'instant. Hein, ouais. Mais Le Graët avait annoncé que si Deschamps se qualifiait, il serait prolongé jusqu'en 2020. Exactement. Bah écoute, moi je vous donne mon avis, ça n'est que mon avis, mais moi je trouve ça logique. Je trouve ça logique qu'un sélectionneur qui atteint ses objectifs soit prolongé. C'était prévu, comme tu l'as dit, dans son contrat actuel, la prolongation en cas de qualification à la Coupe du Monde. Alors certains vont dire, bah ouais, mais c'était assez simple, on est dans un groupe pas trop relevé, mais bon, ça on s'en fout un peu quoi. L'entraîneur et le sélectionneur a des objectifs comme dans n'importe quel corps de métier. Quant à des résultats qu'on estime bons, et ben on fait tout pour te garder. Ça va aussi à l'inverse. Didier Deschamps, il a signé ce contrat-là, c'est qu'il a toujours envie d'entraîner l'équipe de France. Il pourra en avoir marre. Bien, depuis le temps, ça fait 6 ans. Ça fait un peu tôt pour la retraite après. Ouais, il va s'ennuyer. Pourquoi ? Il rebondira pas. Non. Ah bon ? Non, aucun club ne le prendra, je le garantis. Bah écoute, t'es bien sûr de toi, cher Daniel. Je pensais pareil de Paul Le Guen et de Laurent Blanche. J'ai pas été méga loin de la vérité, je pense. Bah, je pense que. Je pense qu'on se battra pas, ça se bousculera pas au portillon chez lui. Tu te trompes un petit peu en comparant Didier Deschamps à Paul Le Guen et Laurent Blanc. En termes de palmarès, je crois que. Le palmarès est différent, mais je pense pas qu'on se bouscule pour le prendre après l'équipe de France. Moi, je pense que ce genre de personne qui reste un vrai passionné de football, depuis. Voilà. Un consultant, c'est bien pour les passionnés. Regarde, t'es un bon consultant. Je laisse finir, c'est mon avis tranché. Pardon, c'est ton avis tranché. Tranche. Donc, moi je te dis que c'est logique par rapport à plein de choses. Déjà, le message que t'envoies aux joueurs. Avant une grande compétition, c'est important d'avoir un sélectionneur qui est là et qui s'investit à court terme, à moyen terme et aussi à long terme. Déjà, par rapport au respect que tu peux avoir, au règlement que tu mets en place. Moi, je l'ai vécu en 2004 avec Jacques Santini, par exemple l'Euro. I am going to Tottenham. Oui, exactement. Ou avant l'Euro, tu sais qu'il va arrêter. Et ben, franchement, dans son comportement, ça se sentait. Et on avait des grands joueurs à l'époque. Et peut-être des joueurs où tu avais besoin, du moins le sélectionneur ou l'entraîneur qui était en place, avait besoin de les secouer pour qu'ils soient à leur meilleur niveau, même s'ils avaient tout gagné, ces mecs-là. Mais lui, il avait un manque. Alors que Didier Deschamps, là, s'investit sur encore 2020 pour aller chercher l'Euro après la Coupe du Monde. Donc moi, je trouve que déjà, le message que t'envoies aux joueurs, il est intéressant. Après, il y a un président de la Fédération Française de Football, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Aujourd'hui, il est très proche de Didier Deschamps parce qu'il estime le travail de Didier Deschamps. Il trouve que c'est un travail de qualité. Ce qu'il a apporté depuis 2012... C'est ce qu'il attendait du sélectionneur en termes d'image, en termes de qualité sportive, c'est-à-dire se qualifier à chaque fois pour les grandes compétitions et surtout aller au bout de la compétition qui était en France à l'Euro. Et Didier Deschamps a respecté, même c'était le dernier carré, s'il me semble, l'objectif qu'il lui avait fixé. Là, il y aura un autre objectif, certainement à la Coupe du Monde, je ne sais pas, ils ne l'ont pas encore sorti. Donc rien que pour ça, mais si tu veux... Peu importe s'il est atteint, puisqu'il est déjà prolongé. Non, et non. Justement, je vais te poser une question. Parce que là, le bémol, il est là. Ah, ce que je veux te dire, c'est bémol. Que... J'espère bien qu'il y a un bémol. Parce que vas-y, laisse finir, Jérôme. Tu me prolonges par rapport à tout ce que je viens de te dire, l'image que tu donnes. Après,
président de la Fédération française de foot, il est loin d'être con. Parce que je veux dire, si ça se passe pas bien, si t'es éliminé au premier tour, par exemple, bien sûr, et que tu rates ta compétition, que tu marques pas un but, tu lui fais comme cadeau de 2 ans de salaire, évidemment. La Fédé, elle est riche. Alors peut-être. Évidemment, peut-être voyons. Pas, on va pas. Mais quoi de, non, mais il peut y avoir un accord entre eux. Évidemment, mais la Fédé, elle a du blé à dépenser. Donc elle va lui signer un chèque, c'est logique. Il peut y avoir un accord entre eux. T'es pas sérieux, il y a du steak au frigo. Alors donc, en gros, toi, tu penses que c'est qu'il va démissionner? Attends. C'est une blague ou quoi? Attends. Bah, il peut y avoir un accord entre eux. Deschamps, il va démissionner. Daniel. Deschamps, il est. Je crois qu'il a pas d'argent, Deschamps. Daniel, ce que je veux dire, arrête de me dire que c'est une affaire financière. On disait Deschamps, je pense que depuis le temps qu'il est dans le football, qui t'a dit que c'était une affaire financière? Parce que si c'était une affaire financière. Qui t'a dit que c'était une affaire financière? Tu dis, ouais, ça va encore coûter tant. Mais qui t'a dit que c'était une affaire financière? Tu dis, s'il le vire à la Coupe du Monde, ça va coûter tant. Ça va coûter à la Fédé. Didier Deschamps n'est jamais démissionné. Moi, je te dis qu'il a démissionné. Là, il démissionne pas. Et ben pourquoi? Et pourquoi? Alors qu'à Monaco, il s'est assis sur je sais pas combien d'années de contrat, il avait re-signé à l'époque et il a vu que ça se passait pas bien et il a donné sa démission. Donc ça montre quand même que le mec a aussi du recul et au bout d'un moment, il peut analyser la situation en disant ben les joueurs, ben ils veulent plus, ça se passe pas bien, la Coupe du Monde elle est ratée, c'est un échec, l'image elle est pas bonne, je m'en vais. Ou le président peut aussi décider, dire ben écoute, je suis pas content du résultat, on s'arrange entre nous et voilà. Ah, très bien. C'est pas alors, une question que d'oseille. La théorie de Jean-Michel Larquet développée dans Team Dugas est la suivante. Noël Le Graët quittera la présidence de la Fédé en 2020. Mmh. Donc... Ils ont lié les deux sorts. Et Jean-Michel Larquet, c'est de la boutique, voit bien même Deschamps être un successeur potentiel à Noël Le Graët. Vous n'êtes pas sûr que l'As lâche prise, hein, parce que c'est aussi l'objectif de l'As, hein, d'être président de la Fédé. Tu imagines une élection Didier Deschamps face à Jean-Michel Larquet. Non, mais je veux bien. Non, mais je veux bien. À travers ça, il y a un calcul, hein. D'accord. Mais d'un moment, le président de la Fédération française du foot, il a aussi des comptes à rendre. Ce que je veux dire, l'équipe de France, elle est là, elle doit avancer, elle doit progresser, elle est qualifiée. Il est content de Didier Deschamps, t'as le droit de respecter. Ce que je veux dire, après, on est en droit de ne pas aimer Noël Le Graët ou Didier Deschamps. Il y en a plein dans ces cas-là. Donc, mais par rapport à la relation si président-sélectionneur, moi je trouve que c'est logique. Ils s'entendent parfaitement et Noël Le Graët est content du travail de Didier Deschamps. C'est un ticket sur le dos. Enfin bon, bref. Mais c'est un ticket. T'es en train de me dire que si jamais ça se passe pas bien à la Coupe du Monde, qu'est-ce qui va se passer? Noël Le Graët va dire à Deschamps de s'en aller? Et pourquoi pas? Donc l'homme qui a soutenu contre vent et marée Domenech va limoger Deschamps juste parce qu'il rate des matchs alors que l'autre c'est pire que des matchs qu'il a ratés. Mais ce que je veux dire, c'est Daniel. Tu me permets de pas y croire? Ah bah d'accord, oui. Bah écoute, je te dis, j'espère pas que ça se passera. Il y a une jurisprudence qui va dans le sens de Daniel, c'est l'Euro 2008. Alors l'Euro 2008, la France sort piteusement. Ouais. Bon, et ben qu'est-ce qui se passe? Il reste. Ouais. Voilà, l'histoire est beaucoup plus compliquée. Non, mais je schématise, là, les résultats étaient catastrophiques. Catastrophiques, on était sorti en quoi? En quart? En 2008, c'est la demande en mariage. 2008, c'est tu sors en poule, t'es Roumanie, Pays-Bas, Italie, c'est le début de la catastrophe. En Suisse et Autriche. Ah oui, non, mais ce qui avait sauvé à l'époque, c'est la finale en 2006, on est d'accord. Il joue Déjà, c'est une jurisprudence, quoi. C'est deux personnages complètement différents. Et l'image aujourd'hui de l'équipe de France n'est pas celle qu'il y avait en 2008. On est d'accord. L'image, elle est bonne. Sauf que comme c'est un fait important, on ne va pas dire de bêtises. Et comme on me l'a raconté de la bouche de la personne qui a décidé, je vais vous la raconter. En 2008, donc Domenech doit être licencié sur le champ après sa demande en mariage. Donc Bernard Laporte en fait la demande. Il y a consultation des gens. Le ministre des Sports, hein, Bernard Laporte, président de la Fédé. Des gens qui peuvent donner un avis sur la question. Et au final, quand Laporte dit à Escalette, bon, écoutez, maintenant vous allez vous démerder tous les deux, mais vous allez partir tous les deux. Escalette dit, ah non, mais moi je veux pas partir, moi. Elle dit, ah bah si, vous allez partir. Bah alors dans ces cas-là, si tu veux pas partir toi aussi, tu vas te démerder pour le garder. Et Escalette, parce qu'il voulait sauver sa place, a tout fait, en plus avec le soutien de Le Graët, qui est ami de longue date de Domenech. Et qui était alors vice-président. Hein. Pour deux, ils se sont mis à vouloir sauver la tête de Domenech. Mais sinon, ça devait partir de partout. Parce qu'on avait consulté... tout le monde a cherché à sauver, son steak, mais tout le monde avait été consulté, que ce soit Platini, que ce soit Houillet et tout. Personne ne le soutenait à ce moment-là.
Sauf qu'à partir du moment où Escalette a vu qu'il pouvait sauter lui aussi, il a rappelé la porte, il a fait mais non, mais finalement, on va peut-être le garder. Voilà. Donc il ne faut pas dire que et la vraie version, c'est celle-là. Et bah, voilà. Peut-être qu'il fallait le prolonger avant. Dans ces cas-là. Appeler le président de la Fédé de rugby, va pouvoir raconter l'histoire. Il ne veut pas refaire la même bêtise et que le prolonger avant une Coupe du Monde parce qu'il a atteint ses objectifs. Mais attends, tu dis non. Noël Le Graët, c'est logique. Non, mais je suis pas complètement désaccord avec toi. Noël Le Graët ne fonctionne pas comme ça. Noël Le Graët, c'est du copinage. C'est tout ce qu'il a toujours fait à Guingamp et avec tous les gens qui travaillent à la Fédé. C'est son cercle d'amis. C'est si Olas propose un nom, bon, ben ça va être oui parce que c'est son soutien. Mmh. Si ce sont des Bretons, c'est bon, ça marche aussi. Il y a moitié Breton, Deschamps, il passe son temps là-bas. Et oui, parce que Le Graët attire le monde, comme il a attiré Domenech à s'installer là-bas, non, Deschamps et tout. La compagne de Deschamps et de Concarneau. Donc, et après, ils prennent des maisons pas loin. Où en étais-je? Et donc, Concarneau, c'est pas tout à fait à côté de Guingamp, mais qui est proche. Qui est proche. Non, mais après, ils prennent des maisons pas loin. Après, Deschamps, qui est devenu un proche de Le Graët, sera soutenu à la vie, à la mort. Il sera soutenu à la vie et à la mort. C'est le fonctionnement de Le Graët qui est comme ça. D'accord. Ils peuvent se ramasser, se bananer autant que tu veux à la Coupe du Monde. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il ne s'en séparera pas. Mais tu ne peux pas le savoir. Sauf s'ils réussissent à maquiller ça et que Deschamps dit « je m'en vais ». Mais oui. Voilà. Ce sera de l'ordre de la boutique. Ce sera de l'ordre de discussion de bureau. Ce ne sera pas de « je prends une décision parce que tu as raté ». C'est pas comme ça qu'il fonctionne. Et il a jamais fonctionné comme ça. On est d'accord, Daniel, là-dessus. Mais connaissant le personnage Didier Deschamps, qu'on aime encore ou qu'on n'aime pas, qui s'en aille de lui-même, pourquoi pas, j'en sais rien. Ou c'est même pas de lui-même, mais c'est d'un commun accord avec Noël Le Graët, c'est que si ça se passe pas bien, moi je suis persuadé que s'il sent qu'il peut plus avancer. Aujourd'hui, on peut lui reprocher tout ce que tu veux sur le côté spectaculaire, le côté ceci, cela. À l'arrivée, on gagne les matchs et on est qualifié sur chaque compétition. Et quand on lui donne des objectifs sur chaque compétition, il les atteint. Comment tu veux que le président de la Fédération française de foot, même s'il y a du copinage, il ne soit pas en adéquation avec son sélectionneur? Si, le président de la Fédé, il pourrait attendre autre chose. Il pourrait très bien vouloir autre chose. Vouloir moi, je n'ai pas donné mon avis sur son avis. Vouloir quoi, Daniel? Non, je n'ai pas donné mon avis, moi. Vouloir quoi? Hein? Je sais pas, il pourrait estimer que l'équipe de France doit avoir une autre image, pourrait jouer mieux au foot, il pourrait très bien avoir ce genre d'idée-là. Non, moi je trouve que c'est pas normal, c'est après la compétition officielle qu'on juge si on doit continuer une aventure. Comme ça t'évite effectivement le problème de prise de tête de s'il y a une cata à la Coupe du Monde, genre une sortie au premier tour ou des événements comme on en a eu dans le football récemment. Au moins, comme ça, t'es protégé. Là, t'as fait de la boutique, t'as prolongé de 2 ans, et si jamais, d'un commun accord, en maquillant l'affaire pour tous les gogos qui essaieront d'avaler l'histoire et pour ceux qui essaieront de nous faire avaler l'histoire, il aura son chèque signé pour les 2 ans. Mais on nous dira... En quoi ça te dérange, le chèque? Quoi ça me dérange? Ben, c'est la Fédé. C'est de l'argent public, excuse-moi. Mais alors. Si, c'est de l'argent public, la Fédé. C'est des conneries, Non, mais c'est pas que de l'argent public. Attention, c'est de l'argent que tu peux donner. C'est de l'argent que tu peux donner à d'autres. C'est aussi de l'argent privé des partenaires. Et c'est de l'argent que tu peux distribuer autrement à la Fédé et dans tout le football français. Donc tu n'es pas obligé de signer un chèque d'ores et déjà de 2 ans supplémentaires sans même savoir ce qui va se passer à la Coupe du Monde. Là, je rejoins Jérôme sur un point. Tout à fait possible que, dans le cadre de ces négociations, il y a un accord tacite entre Deschamps et Le Graët en disant attention, tu démissionnes, il lui signera quand même le chèque. Mais bon, c'est entendu. Conclusion du match. Sur l'histoire qui est soi-disant la jurisprudence Santini, que j'ai jamais compris et jamais avalé. Comme quoi, les mecs, en 2004, ça les a perturbés de savoir que Jacques Santini allait partir. C'est lui qui s'est perturbé. Les joueurs disaient aussi que ils étaient pas sûrs de bien le respecter, ce qui allait se barrer. Parce qu'en fait, les joueurs, c'est bien connu, ils jouent quand ils sont en équipe de France, ils jouent pour le sélectionneur. Et si l'entraîneur est perturbé ou machin, ils vont pas se donner à fond. C'est normal. Excuse-moi, je comprends pas ça. Tu comprends pas. C'est normal, j'ai pas été joueur. C'est pour ça. Il a pas dit ça, Daniel.
Mais si tu mets le nez vraiment au bord du terrain, là, ce qui se passe, pas dans un vestiaire parce que t'as pas l'accès, mais à, juste à côté, tu vois, du terrain, peut-être que tu rendrais compte. Tu, sur l'analyse des séances d'entraînement, tu te dirais, putain, le mec, il est investi vraiment. Là, tu sens que c'est un gagneur. Il a envie que son équipe, elle gagne. Et tu sens le mec qui est un petit peu. Donc, toi, tu es en train de me dire là que Jacques Santini a sabordé l'Euro 2004 parce qu'il savait qu'il allait partir. Il n'a pas bien travaillé à cause de ça. Mais ce que je veux dire, c'est. Eh bien, écoute, je te propose qu'un soir, on va appeler Jacques Santini et on va lui demander s'il a fait ça. Santini ou pas, moi, je le respecte, Jacques Santini. J'ai eu la chance avec lui de faire l'Euro 2004. Je ne te parle pas de moi. Je n'avais pas besoin d'avoir un sélectionneur. Jacques Santini, parce qu'il avait signé à Tottenham, il a mal travaillé à l'Euro. Moi, je te dis juste que c'était. Moi, je n'y crois pas. Jérôme n'a pas dit ça. Mais non, mais déjà. Il n'a pas dit ça. C'est toi qui fais la surinterprétation de ce qu'il a dit. De toute façon, c'est humain. Là, Jacques Santini, à l'époque, il avait décidé de partir parce qu'il avait Tottenham. Il reprend un club. Ok, d'accord, tu respectes. Moi, je te dis juste que dans son investissement, tu pouvais ressentir au bout d'un moment, peut-être, pas de la lassitude, mais voilà, le train-train, le quotidien, avec des mecs qui avaient tout gagné. Tu voulais parler à Jacques Santini ? Il nous a appelé au 32-16. Jacques, c'est à toi. I am very happy to be in the big club Tottenham. Voilà, c'était Jaco. C'était ses causeries, juste une question quand même. Match, hein. Vu que tu étais à l'Euro 2004, est-ce que tu as assisté à la blessure de Steve Marley quand il s'est pris son accréditation dans l'œil suite à un coup de vent? Exactement, c'était ça. Il était incertain, était forfait ensuite à cause il de avait, ça. Ça avait ripé sur l'œil. Sur la paupière, le pauvre. Johan est là au 32-16. Salut Johan. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs. Salut Johan, est-ce que tu aurais prolongé d'échange jusqu'en 2020, toi? Alors, moi, je suis d'accord en même temps avec Jérôme et avec Daniel. Je suis d'accord avec Daniel sur ce qu'il dit. C'est vrai que c'est plus logique de faire re-signer l'entraîneur après la compétition. Ça paraît naturel. Maintenant, là où je leur joue à moi, c'est qu'on a quand même peu de chance, connaissant le profil de Deschamps, qu'il nous fasse une demande en mariage au cas où on se fait sortir au premier tour. Ouais. Donc, moi, je vois pas vraiment de problème. C'est plutôt une question, là c'est de la tambouille interne en effet, et la grande question c'est que si on vire Deschamps, on met qui? Et ça c'est quand même compliqué de répondre quelque chose d'intelligent. Thierry Henry, ce que je veux dire c'est que... Il n'a pas vraiment de bouteille, et puis la sélection c'est quand même quelque chose qui nécessite... Zidane il avait de la bouteille avant de gagner la Ligue des Champions? Qui ça? Zidane. Ouais, mais il est resté au Real Madrid pendant des années avant de. Ben là, il est adjoint, Henri. Hein. Bon, c'est pas le débat. Non, hein, mais là, ce que je veux dire, c'est que si Thierry Henry était adjoint de Deschamps depuis 4 ans, il pourrait prendre la suite, ça serait naturel. Zidane, c'est ce qu'il a fait. Là, vraiment, c'est qui? C'est Stéphane, l'adjoint de Deschamps? Alors voilà. Ouais. Bon, je sais pas. Ce que je voudrais juste dire sur Deschamps aujourd'hui, après les qualifs là. On va vraiment voir son visage, entre guillemets. Je vous ai écouté ces dernières semaines attentivement. Et moi je ne suis pas vraiment d'accord sur le fait qu'il y a de titulaire en équipe de France, de poste sûr. Je pense qu'on a une colonne vertébrale qui est bien définie. La vraie question, c'est est-ce que Deschamps, il va vraiment vouloir l'aligner? Est-ce qu'il va vouloir sortir? Est-ce qu'il va vouloir garder son 4-5-1, c'est-à-dire mettre Griezmann et Giroud, qui est l'attaque qui fonctionne bien? Et est-ce qu'il va vouloir mettre Matuidi et Kanté? Bon, on va en parler dans quelques instants. Tu nous fais une transition parfaite, puisque ça va être l'avis de Daniel dans quelques secondes. Tiens, Alexandre, t'as un avis, toi? T'aurais prolongé Deschamps ou pas? Non, pas trop d'avis sur ce sujet. Très bien. Bon, bah écoute, en même temps, si t'as pas d'avis, les gars, à l'after, c'est les avis. Hein. Non, non, mais lui, il analyse les vidéos. Ah, donc il est en train de nous analyser. Il a pas besoin exactement. De faire un montage. Il va lancer un montage. Et demain, il fera un cours à Quevilly. A tout de suite dans l'after, l'équipe de France toujours au programme bien sûr, 32-16, hashtag RMC Live, direct studio, plus le basket également à suivre dans quelques instants. A tout de suite.